D'abord l'amour. Sully Prudhomme, membre de l'Académie française, s'intéresse à l'art, à l'esthétique, à la philosophie. Il publie des essais sur l'expression dans les beaux-arts. Et il est couronné quand même d'un prix Nobel de littérature en 1901. L'amour, l'espoir, l'absence, soupir. Robert de Bonnières, amateur d'art, ami de Degas, Renoir, Anatole France, Maupassant, Gabriel Fauré, Vincent d'Indy, il organise des soirées musicales dans son appartement. Ah, que ça devait être bon. Traité à la manière de Schubert, le manoir de Rosemonde. Soudaine et vorace, comme un chien, l'amour m'a mordu. En suivant mon sort répandu, fort, tu pourras.
va suivre ma trace. Cheval de bonne race, pars et suis mon chemin dit, fondrière au sentier perdu, si la course ne te harasse. Passant par où j'ai passé, tu verras que seul et blessé, j'ai parcouru ce triste monde. Un intrus, un Irlandais, poète, musicien, auteur et compositeur d'une mélodie que tout le monde connaît et qui est devenue emblématique de l'Irlande, La dernière rose de l'été, qui a été traduite par Théophile Gautier, si mes souvenirs sont exacts. Eh bien, un truc encore plus triste. La mort, l'amitié, le souvenir verdoyant, élégie. Secret répandu.
Et comme j'avais tenu à commencer par du Baudelaire, je tenais à terminer par du Baudelaire. Il s'agit de la dernière œuvre du poète, où on va retrouver la mer, enfin, la volupté calme, et quelques-uns des plus beaux alexandrins de la langue française, les houles en roulant les images des cieux, mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique. La vie antérieure. Le secret.